Bonsoir, bienvenue à ce webinaire de la FEF sur les recommandations pour le diagnostic et le suivi non invasif des maladies chroniques du foie. Je suis Victor Douédingan, le coordonnateur de ces recommandations, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente Nathalie Gann, la secrétaire générale de la FEF. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Je vous présente aussi Marc Bourlière, qui est président de la FEF et qui était aussi président de ses recommandations. Bonsoir Marc. Bonsoir Victor et bonsoir à tous. Et enfin Christophe Bureau, qui est ancien secrétaire général de la FEF et qui était aussi président de ses recommandations. Bonsoir Christophe. Salut les amis. Alors, Nathalie, je pense que c'est à toi. Alors, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Victor, qui va être le maître de cérémonie, je voudrais rappeler à tout le monde l'importance de saisir dans le registre Covid et foie de la FEF l'ensemble de vos patients atteints de maladies du foie aiguë ou chroniques qui auraient été infectés par ce virus, de façon à ce qu'on puisse avoir la photographie la plus exacte de la répercussion de cette pandémie chez nos patients. Donc, je vous engage à aller sur le site de la FEF, à demander vos codes et à rentrer au maximum vos patients. Et nous vous ferons un retour hein, pour vous donner la photographie la plus exacte de cette situation au niveau de nos patients. Nous vous ferons ce retour au moment des journées scientifiques de la FEF du 7 au 10 octobre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet sur ces recommandations pour vous dire que donc l'AFEF a posé 129 questions aux experts et aux rédacteurs de ces recommandations qui touchent l'ensemble de la spécialité, c'est-à-dire les hépatites B et C, l'hyperferritinémie, la stéatopathie métabolique, les hépatites auto-immunes, la cholangiosclérosante, la cholangite biliaire primitive, les tumeurs bénignes et malignes du foie, l'hypertension portale, la transplantation hépatique, les maladies rares du foie et même les maladies vasculaires du foie. Alors, pour répondre à ces 139 questions, nous avons eu besoin de 85 rédacteurs et je veux profiter de ce moment pour les remercier très chaleureusement. Ces recommandations ont pris 2 ans de leur temps avec des heures et des heures qui n'ont pas compté et nous espérons et nous pensons que le fruit de leur réflexion et de leur écriture est à la hauteur de leur talent. Alors pour ces recommandations, nous avons utilisé les grades recommandés par la Haute Autorité de Santé. Alors il y a d'abord une lettre A, B, C ou D. A veut dire que la recommandation est faite à une preuve scientifique très établie parce qu'il y a soit des essais comparatifs, soit il y a des méta-analyses d'essais comparatifs. Et puis ensuite, B, la présomption est, c'est une présomption scientifique. Et enfin, vous voyez que D, c'est un avis d'expert. Et à côté de cette lettre, nous avons inscrit un chiffre. 1 veut dire que même s'il n'y a pas une preuve scientifique importante, comme par exemple si on a un niveau C, mais que les experts pensent que cette recommandation est très importante, le chiffre 1 était mis à côté. Et à l'inverse, il peut y avoir des recommandations qui ont un bon niveau de preuve, mais les experts ont jugé que la recommandation devait être prudente. Et dans ces cas-là, nous avons mis un 2 à côté. Donc à chaque fois, vous aurez une lettre et un chiffre pour grader ces recommandations. Ensuite, une fois que ces recommandations ont été écrites, elles ont été soumises au vote. Donc 316 pardon, recommandations qui ont été soumises au vote des 85 rédacteurs. Donc les 85 rédacteurs ont dû voter ces 316 recommandations. Et ensuite, nous avons donc regardé s'ils avaient donné un accord plutôt très modeste. S'ils n'étaient pas du tout d'accord, c'était 1. Et s'ils étaient complètement d'accord, c'était 9. Et à la fin, vous verrez sur nos recommandations, il y a marqué si l'accord est fort ou pas. Et quand l'accord est inscrit fort, ça veut dire que 70% des rédacteurs avaient mis une note entre 7 et 9.
Donc, accord fort, 70% des rédacteurs ont mis une note entre 7 et 9, donc une très forte note. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et Marc, je te propose de commencer sur la maladie de Wilson. Merci Victor. Et donc on va commencer non pas avec un malade, mais dans une salle de garde où l'interne cardiologique, Kevin en l'occurrence, s'adresse à l'interne en hépatologie et lui demande: Eh bien, Kevin, la maladie de Wilson, on fait toujours le diagnostic en dosant la cyroglobulosamine? Alors Marc, là, il faut que tu répondes à la question. Le diagnostic de la maladie de Wilson, c'est souvent un challenge un peu compliqué et tu dois répondre en interne de cardio. Donc, Ouais. donne-nous les recommandations des experts clairs avec éventuellement les nouveaux marqueurs. Alors, on doit penser en fait à Wilson chaque fois qu'on est face à une atteinte hépatique associée en fait à une atteinte neurologique. Et le diagnostic de maladie de Wilson, il repose en fait sur un faisceau d'arguments qui est à la fois clinique et biologique. Alors, en effet, la cyroglobulosamine peut être abaissée et en général, elle est abaissée, mais il faut savoir que notamment chez les enfants, un certain nombre d'enfants, 30% environ, peuvent avoir une cyroglobulosamine normale. De même, chez les gens qui ont des hépatopathies avancées, la cyroglobulosamine n'est pas forcément abaissée et ça n'élimine pas le diagnostic de Wilson. Donc, là, évidemment, la cyroglobulosamine abaissée, c'est un critère important pour évoquer le diagnostic, de même que l'élévation de l'excrétion urinaire de cuivre des 24 heures. Alors, actuellement, l'examen biochimique qui est le plus performant pour affirmer la maladie de Wilson, c'est le REC, c'est-à-dire c'est le rapport entre le cuivre échangeable et le cuivre total, qui est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir affirmer la maladie. Et lorsqu'on a un seuil qui est supérieur ou égal à 18, on a une sensibilité, une spécificité qui est de l'ordre de 100% en faveur d'une maladie de Wilson. Donc c'est un excellent examen. L'augmentation du REC n'est pas forcément corrélée à la gravité de l'atteinte hépatique. Par contre, il semble qu'il y ait une bonne relation avec la gravité de l'atteinte neurologique. Par ailleurs, à côté donc, de la cyroglobulosamine, de l'élévation de l'excrétion urinaire de cuivre des 24 heures, il y a aussi la recherche évidemment d'anneaux de Kayser-Fetcher par un examen à la lampe à fente qui doit être réalisé par un examinateur expérimenté. Mais là encore, son absence n'exclut pas le diagnostic de maladie de Wilson. Enfin, l'imagerie du cerveau par IRM avec un avis neurologique spécialisé est recommandée. Et l'analyse moléculaire par le séquençage complet du gène ATP7B est recommandée pour confirmer le diagnostic après avis du centre de compétences. Et donc, on a un test génétique qui est de déterminer le séquençage du gène ATP7B. Et vous voyez que pour toutes ces recommandations, il y a un accord fort. Et donc, vous voyez que le diagnostic de maladie de Wilson ne repose pas uniquement sur le fait d'avoir une cyroglobulosamine ABC. Il faut savoir que celle-ci peut être normale. Évidemment, ça va reposer sur un faisceau d'arguments, notamment l'excrétion urinaire de cuivre augmentée et surtout le REC, quelque chose qu'on doit introduire dans notre pratique, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut en parler avec vos biochimistes. Merci Marc. Et alors, je voudrais remercier le coordonnateur de ces recommandations maladies rares, Rodolphe Sobeski, et toute son équipe, car ce n'était pas facile de faire des recommandations sur les maladies rares. Et juste avant de passer la parole à Nathalie, je voudrais vous dire que vous pouvez poser des questions. Il y a un petit chat là, vous pouvez écrire vos questions et nous allons essayer d'y répondre en direct. Alors, on continue sur les maladies rares. Nathalie. Alors voici un deuxième cas clinique. Noah, 19 ans, hospitalisé en pneumologie pour un bilan pré-greffe, pré-greffe pulmonaire, pour un déficit en alpha-antitrypsine. Et le pneumologue vous appelle pour discuter de l'attente hépatique. Alors, vous trouverez dans ce chapitre évidemment l'utilisation des marqueurs non invasifs pour le diagnostic, mais cette fois, on va s'intéresser effectivement à l'évaluation et finalement, quelles ont été les recommandations pour évaluer la sévérité de la maladie hépatique lorsque on a un déficit en alpha-antitrypsine, Nathalie? Alors, l'évaluation de la sévérité de la maladie hépatique, finalement, elle est assez, les recommandations sont assez conformes à ce qu'on fait pour l'ensemble des maladies du foie, c'est-à-dire rechercher des signes de maladie chronique du foie, évaluer les tests hépatiques, évaluer la morphologie du foie par l'échographie ou une imagerie en coupe. Par contre, la mesure de l'élasticité hépatique n'est pas validée, mais elle pourrait permettre d'identifier des patients ayant une cirrhose. Bien sûr, il n'y a pas de seuil proposé et le niveau de preuve est assez faible pour cette recommandation.
Et ce qui est très largement encouragé, c'est le recours à un spécialiste pour essayer de recueillir l'ensemble des arguments qui permettraient de déterminer l'existence ou non d'une maladie chronique du foie évoluée. Merci Nathalie. Et nous passons maintenant aux maladies vasculaires. Christophe. Alors je vous présente Cécile, 45 ans, assistante de direction. Elle est suivie déjà pour un syndrome de Budd-Chiari depuis 5 ans. Et ça a révélé en fait un syndrome myéloprolifératif JAK2 muté, plutôt une maladie de Backes. Alors Christophe, quelles sont les méthodes non-invasives recommandées pour suivre un traitement à syndrome de Budd-Chiari? Alors vous savez tous que le syndrome de Budd-Chiari expose en particulier au risque de carcinome hépatocellulaire et vous voyez donc que la proposition des experts avec un accord fort, c'est finalement de surveiller un syndrome de Budd-Chiari chronique comme une cirrhose, c'est-à-dire par une échographie Doppler abdominale tous les 6 mois et un dosage de l'alpha-fétoprotéine sérique tous les 6 mois. Il faudra bien sûr compléter par une imagerie en coupe et il faudra sûrement préférer l'IRM dans 2 situations principales, quand vous aurez l'apparition d'un gros nodule à caractériser par l'IRM, mais aussi quand vous aurez une augmentation du taux sérique de l'alpha-fétoprotéine au-dessus de 15 microgrammes, puisque contrairement aux maladies actives, en particulier virales, il est exceptionnel de voir une alpha-fétoprotéine augmenter, même à ce seuil, en l'absence de carcinome hépatocellulaire au cours du syndrome de Budd-Chiari. Donc, surveillance qui, vous voyez, se calque quand même assez de manière remarquable à celle de la cirrhose. Écho plus Doppler, bien sûr, et dosage de l'alpha-fétoprotéine tous les 6 mois. Ça pour la surveillance du carcinome hépatocellulaire. Alors, je remercie Pierre-Emmanuel Rotou, qui a été le coordonnateur de ce chapitre maladie vasculaire du foie, et toute son équipe, puisque c'était c'est un gros chapitre. Toutes les maladies vasculaires du foie sont exposées et discutées. Alors, on va peut-être parler de la thrombose de la veine porte. Alors, cette fois, c'est Jean-Paul, un peu plus âgé, 66 ans. Il est suivi, lui, pour cette fois, une cirrhose d'origine alcoolique. Elle est compensée actuellement et elle a été diagnostiquée lors d'un premier épisode de décompensation d'hématoacétique il y a près de 5 ans aujourd'hui. Il est sevré depuis cette époque, mais en 2019, il est hospitalisé à nouveau pour une récidive de l'ascite, alors qu'il est encore une fois sevré. Donc, on suspecte dans ce cas-là une thrombose de la veine porte, parmi d'autres facteurs de décompensation, mais aussi une thrombose de la veine porte. Et alors, en pratique, Christophe, comment aboutit-on au diagnostic de thrombose de la veine porte? Quelle méthode invasive recommandes-tu? Alors, il faut savoir qu'au cours de la cirrhose, la surveillance par échographie Doppler est recommandée tous les 6 mois pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire, mais aussi pour la surveillance de la thrombose porte. C'est pour ça qu'il est très important d'ajouter un examen Doppler à l'échographie hépatique. On peut bien sûr, il faut la rechercher en cas de douleur abdominale aiguë, ce qui survient parfois, même chez le patient avec cirrhose. Et puis, même si c'est un petit peu plus, vous voyez que le niveau de recommandation est faible, hein, même si c'est un petit peu moins fort comme proposition, c'est en cas de à chaque décompensation de la cirrhose. Alors, pourquoi c'est un petit peu moins fort? Parce qu'on n'est jamais sûr qu'il y ait un réel lien de cause à effet entre la survenue d'une décompensation et l'épisode de thrombose, mais ça reste une recommandation. Et vous voyez que la plupart des experts et des rédacteurs, en tout cas, étaient d'accord avec cette proposition. Donc, tous les 6 mois de manière systématique par échographie, en cas de douleur abdominale aiguë et à chaque décompensation de la cirrhose. Alors, une thrombose porte a été mise en évidence chez ce patient. Il n'existe pas de carcinome hépatocellulaire, c'est un diagnostic différentiel important au cours de la cirrhose. La thrombose a l'air cruorique et elle est traitée quasi immédiatement par anticoagulant. Alors, comment fait-on pour suivre le patient? Est-ce qu'il faut le suivre? Et s'il faut le suivre, par quelle méthode est-il recommandé d'effectuer la surveillance? Alors, il faut sûrement distinguer au moins 2 situations. D'abord, la thrombose porte, ce n'est pas le cas chez Jean-Paul, qui va survenir en l'absence de cirrhose. Donc, en l'absence de cirrhose, on démarre un traitement anticoagulant. Et mais si la recanalisation survient très souvent dans les 3 premiers mois, elle peut survenir de manière plus tardive
Et donc, il est recommandé de réaliser un scanner 4 temps injecté, donc sans injection de produit de contraste, autant artériel, autant portal et autant portal tardif. Donc, entre 6 et 12 mois après le diagnostic de thrombose veineuse portale. Alors, l'intervalle est large, ça va dépendre surtout à partir de quel moment on va discuter de l'arrêt ou de la poursuite des traitements anticoagulants. Mais vous voyez que ça ne sert à rien de faire un scanner à une semaine, à un mois, de toute façon, le patient est sous anticoagulant. Et donc, l'imagerie de type en coupe 4 temps sera réalisée entre 6 et 12 mois après le diagnostic de thrombose. Ça, ça concerne le malade sans cirrhose. Avec une cirrhose ou en cas de thrombose porte ancienne, là, les experts n'ont pas de proposition à faire, il n'y a pas eu de consensus sur le suivi. Dans le contexte de la cirrhose ou en cas de cavernome, on ne sait pas bien finalement si ça a un intérêt sur la thrombose. Alors, a fortiori, s'il n'y a pas de traitement anticoagulant, bien sûr, il faudra répéter un examen s'il y a à nouveau une décompensation, une douleur abdominale, enfin, tout ce qui va faire suspecter soit l'extension d'une thrombose qui ne s'est pas reperméabilisée, soit la récidive d'une thrombose qui se serait reperméabilisée. Donc, une situation claire, l'absence de cirrhose, pas de cavernome, on fait une imagerie 4 temps, entre 6 et 12 mois. Les deux autres situations, on va dire que c'est à discuter au cas par cas ou avec un centre de référence compétence. Merci Christophe. Alors on va faire une pause avant d'autres cas cliniques et je vais continuer sur toi Christophe. J'ai une question d'Adelina. Est-ce qu'il faut rechercher tous les facteurs de risque de thrombose de la veine porte chez un patient cirrhotique Child A? Très bonne question, précise, Child A en plus. Alors, c'est vrai que longtemps, il avait été proposé de faire cette recherche, en particulier chez les patients avec pas du tout d'insuffisance hépatocellulaire. Il y avait quelques données dans la littérature qui montraient qu'on trouvait des facteurs de risque, en particulier Leiden, un peu plus souvent chez ces malades. Mais la littérature récente et la compilation de toutes les données font qu'en fait, les facteurs de risque de thrombophilie les plus souvent rencontrés sont aussi fréquents en l'absence de cirrhose ou en cas de cirrhose. Et que donc, en cas de cirrhose, même parfaitement compensée, il n'est pas recommandé de manière systématique de réaliser un bilan de thrombophilie complet. C'est à sûrement nuancer chez une patiente ou un patient qui va avoir des antécédents, soit personnels, soit familiaux, récidivant de thrombose. Mais là, on rentre dans le cadre d'un bilan de thrombophilie pour thrombose multiple et pas thrombose porte au cours de la cirrhose unique. Donc, non, pas de recherche systématique de maladie qui exposerait à une thrombose en cas de cirrhose, même compensée de Child. Alors, maintenant une question pour Marc sur la maladie de Wilson. T'inquiète pas Marc, tu vas y arriver. La présence de l'anneau de Kaiser-Fleischer est-elle suffisante pour confirmer une diagnostic? En fait, comme tu le sais, le diagnostic d'anneau de Kaiser-Fleischer est un diagnostic qui est délicat. Donc, en fait, en général, de toute façon, ce n'est pas un élément qui est unique. Et bien évidemment, tu ne vas pas faire uniquement un diagnostic de Madison sur l'anneau de Kaiser-Fleischer. Tu vas faire aussi un cuivre urinaire, un REC, et tu vas faire un diagnostic, tu vas l'établir sous ces éléments-là. Et tu feras ensuite une étude du gène ATP-B7. Donc, en fait, c'est pas... Et si tu n'as pas le gène, si tu n'arrives pas à avoir le gène, c'est compliqué d'avoir le gène partout, non? Non, en fait, tu n'as pas la réponse immédiatement, mais ce n'est pas compliqué à avoir. C'est-à-dire qu'actuellement, les circuits sont organisés, on peut très bien faire cette demande. Donc, ce n'est pas, en fait, réellement compliqué à avoir. Ensuite, ce qui est plus compliqué à avoir, c'est d'avoir un REC, oui, un cuivre échangeable sur cuivre total. Et ça, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec les biologistes. Mais donc, la technique a été mise au point à la fois à Paris et à Lyon. Il y a un certain nombre de laboratoires qui peuvent le faire. Il y a de plus en plus de laboratoires qui le font. Globalement, la maladie de Wilson, c'est 1 000 à 1 500 patients sur la France. Hein. Donc, c'est une population qui est relativement limitée. Mais c'est vrai qu'il faut savoir faire ce diagnostic et qu'on s'était souvent restreint au seul dosage de solplasmine. Et on voit bien à travers ces recommandations que c'est beaucoup plus large et qu'il ne faut pas oublier aussi de faire l'étude génétique. Alors, Nathalie, D'ailleurs, pour compléter, lorsqu'on fait un diagnostic de maladie de Wilson, il faut systématiquement faire une enquête familiale. Et ça, il faut insister sur ce point. Et cette enquête familiale doit être faite non seulement chez les enfants du probant quand ils ont plus de 3 ans, mais aussi chez ses parents. Et le bilan va comprendre à la fois une cuprémie, une cirrhoplasmine, un dosage de cuivre urinaire et aussi une recherche du gène ATP-B7. Alors, Nathalie. C'est une question sur, c'est un peu hors sujet de ce que nous avons évoqué, mais une petite précision. Est-ce qu'il faut surveiller
une hyperplasie nodulaire focale de 9 cm chez un homme jeune et HNF qui a été confirmé par histologie. Alors, l'HNF, c'est 9 fois sur 10 une femme, une fois sur 10 un homme. Quand le diagnostic est formel, quelle que soit la taille de la tumeur, il n'y a pas d'indication à surveiller l'HNF. Alors bien sûr, on peut imaginer qu'à 9 cm, ça soit plus susceptible de donner des signes de compression locale et éventuellement des symptômes. Et donc il faut rediscuter si le patient est symptomatique, effectivement, de faire quelque chose. Mais en théorie, il n'y a pas d'indication quand le diagnostic est formellement établi à une surveillance, même chez un homme. Même chez l'homme. Alors, Christophe, il y a des questions pour tous les trois. Là. Vous allez être tous les trois mis sur l'échafaud. Est-ce que, Christophe, on peut avoir un cavernome lors d'une cirrhose? On peut répondre simplement par oui. C'est vrai que c'est plus rare au cours de la cirrhose, mais ça existe au cours de la cirrhose. C'est vrai que c'est plus rare, mais la réponse est oui. Très bien. Et alors, c'est pour toi et Marc, est-ce qu'il faut systématiquement doser la céruloplasmine pour rechercher une maladie de Wilson dans le bilan étiologique d'une cirrhose sans signe neurologique? Une cirrhose d'origine indéterminée, oui, moi je dose systématiquement la céruloplasmine. Oui, je crois qu'il faut le faire et il faut insister sur le fait qu'en effet, lorsque tu as une insuffisance hépatique avancée, la céruloplasmine peut être normale, ce qui n'exclut pas le diagnostic de Wilson à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, tu faudrait à la limite faire aussi un dosage de cuivre urinaire. Au moment des discussions, c'est qu'il ne faut pas écarter une maladie de Wilson chez quelqu'un de plus de 50 ans, alors qu'on avait appris qu'effectivement c'était des sujets jeunes. Donc j'ai appris ça au moment des discussions, c'est La maladie de Wilson n'est pas cantonnée au sujet jeune et tu en as chez les sujets adultes. Et c'est souvent des maladies qui sont méconnues et qui sont souvent vues au stade neurologique parce que les manifestations hépatiques sont passées inaperçues. Les manifestations neurologiques survenant après les manifestations hépatiques, puisque dans l'ordre, c'est d'abord une maladie hépatique avec une accumulation du cuivre dans les hépatocytes. Et alors Marc, dans la maladie de Wilson, on dit qu'il faut faire le REC. Mais alors, comment tu l'interprètes dans le suivi? Comment tu fais avec ce REC dans le suivi si tu le fais? Alors, c'est une très bonne question et tu sais très bien que la réponse est tout à fait imprécise. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de recommandation sur un niveau de REC idéal pour surveiller les patients qui sont traités pour leur Wilson. Donc, en fait, tu essaies d'avoir un REC qui soit le plus souvent abaissé, enfin en dessous des valeurs initiales, mais tu n'as pas de recommandation. Est-ce qu'un REC en dessous de 18 peut éliminer une maladie de Wilson? Alors, en fait, c'est un... Oui, la spécificité et la sensibilité sont excellentes. En fait, tu as un seuil de 15. En dessous de 15, tu peux formellement éliminer une maladie de Wilson. Oui. Très bien. Je vous remercie pour toutes ces questions. Et nous allons donc continuer vers un autre cas clinique. Et donc, nous allons aller vers un cas clinique qui va être un peu plus long, avec un patient qui va nous entraîner dans une longue histoire. C'est l'histoire de Onyan, qui a 32 ans, qui est un jeune Turc, qui est adressé en consultation pour la découverte récente d'une infection par le virus de l'hépatite B à antigène HBE négatif. Il n'a aucun antécédent, ne fume pas et ne consomme pas de boissons alcoolisées. Marc, reste calme. Oui. Je t'entends. Je m'y perds. Je m'y perds dans le B. On m'avait dit c'est simple, je m'y perds. C'est très simple, tu vas voir. Dis-moi une bonne fois pour sans t'énerver, quelles sont les méthodes non-invasives recommandées lors du bilan initial d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B? On voit des marqueurs partout, j'y comprends plus rien. Alors, tu vas voir, c'est très très simple. Alors, le bilan initial d'une infection chronique par le virus B doit inclure un certain nombre d'éléments qui sont évidemment la numération de formules sanguines et les plaquettes, les transaminases, la gamma GT, les phosphates alcalines, la bilirubine totale, le taux de prothrombine, la créatinine, l'alpha-fétoprotéine et l'échographie abdominale. L'échographie abdominale évidemment pour éliminer d'emblée un CHC, l'alpha-fétoprotéine
dans la même nature. Ensuite, le taux de prothrombine te permet de préciser la fonction hépatique et tu vas déterminer le niveau de cytolyse que présente ce patient. Ensuite, la fibrose hépatique, elle doit être systématiquement évaluée de première attention par des méthodes non invasives, c'est-à-dire que la biopsie hépatique n'est pas l'examen à faire en première attention lorsque tu es face à un patient antigène HBs positif avec un antigène HBe négatif ou positif et des transaminases augmentées. Il faut évaluer la fibrose par des méthodes non invasives, quel que soit d'ailleurs le niveau des transaminases. La mesure de l'élasticité hépatique par fibroscan peut être utilisée et en prenant des seuils qui sont spécifiques. Quand on a une valeur inférieure à 6 kPa, on peut exclure une fibrose significative. Et quand on a une valeur supérieure à 9 kPa lorsque les transaminases sont normales ou 12 kPa lorsque les transaminases sont augmentées, permet de suspecter fortement une hépatopathie chronique avancée. Les marqueurs sanguins, fibrotest et fibromètre, peuvent être aussi utilisés. Mais il faut tenir compte du fait que les résultats doivent être interprétés en fonction du risque accru de sous-estimation de la fibrose avec ces marqueurs. Alors, le fibrotest, il va être très utile, notamment pour la détermination des porteurs inactifs. Si tu as un fibrotest qui est inférieur à 0,28, tu es à peu près sûr que tu n'as aucune fibrose. Tu vas rentrer dans le cadre, par exemple, des patients ayant une infection chronique P, antigène HBe négatif. Les méthodes non-invasives de la suite de la fibrose hépatique ne doivent pas être utilisées en cas d'élévation du taux de transaminase supérieur à 5 fois la valeur supérieure de la normale. En effet, chaque fois qu'on a une cytolyse hépatique importante, vous savez tous que le fibroscan n'a pas d'intérêt à ce moment-là. Et pour toutes ces recommandations, il y a évidemment un accord fort et vous voyez que la plupart de ces recommandations sont émises avec un niveau de preuve qui est élevé. Alors, merci, pour l'hépatite Marc. B, il faut aussi signaler qu'il y a, contrairement à l'hépatite C et contrairement à la NASH, assez peu d'études qui ont étudié à la fois conjointement les tests, le fibroscan et les tests sanguins non invasifs de fibrose. Merci Marc. Alors, je voudrais profiter de cette diapositive pour, sur la gauche, remercier Vincent Leroy qui a coordonné le chapitre hépatite B avec beaucoup de spécialistes, d'éminents spécialistes, et sur la droite, Albert Tran, qui a coordonné le chapitre hépatite C. Alors, nous avons décidé de ne pas présenter de recommandations sur l'hépatite C ce soir par manque de temps, mais sachez qu'il y a des recommandations très, très précises sur le suivi des malades atteints d'hépatite C, notamment atteints d'hépatite C guéris. On continue donc peut-être le cas clinique. On va continuer le cas clinique d'Ognan. Donc, j'espère, Christophe, que les choses sont un peu plus claires pour toi. Les transaminases donc, chez Ognan sont à 102 pour les alates. Il a un ADN du virus B à 78 985 unités nationales par millilitre. Il a évidemment une sérologie delta négative et il faut rappeler que devant tout sujet qui a un antigène HBs positif, il faut systématiquement rechercher dès les premières consultations la sérologie delta afin d'éliminer une co-infection ou une surinfection B-delta. L'élasticité hépatique chez ce patient est à 11 kPa. Avec des transaminases qui étaient élevées, donc il a une hépatopathie, elle n'est pas forcément avancée, et un traitement par tenofovir est justement débuté, puisque en fait, on a tous les critères, il a un ADN de début de traitement, il a un ADN supérieur à 2000 unités, il a a priori de la fibrose hépatique supérieure à F1, et il a une charge virale qui est à 78 985, donc supérieure à 2008. Donc, dans cette situation-là, à la fois, toutes les recommandations, EASL, ASLD, APASL, recommandent d'instituer un traitement sans faire de biopsie hépatique. Et donc, le traitement par tenofovir a été débuté. Juste avant que Christophe te pose sûrement une question très pertinente. Moi, j'en ai une. Là, ton patient, il a 11 kPa. S'il avait eu une valeur entre 6 et 9, est-ce que dans ce cas-là, tu aurais initié le traitement? Ben, en fait, on a les transaminases qui sont élevées. Et en fait, s'il était entre 6 et 9, j'aurais sans doute débuté le traitement. S'il était maintenant en dessous de 6, tu peux prendre l'autre exemple, l'exemple de vraiment un fibroscan qui suggère l'absence de lésions de fibrose. Et dans ces cas-là, il n'y a pas forcément d'urgence à débuter tout de suite un traitement de l'hépatite B. On peut faire un suivi avec un suivi à 3 mois. Et vous allez voir qu'il y a des recommandations sur le suivi de ces patients. Et en général, si on s'aperçoit qu'on a une charge virale augmentée et des transaminases augmentées,
on peut commencer le traitement. Donc, alors, en fait, Christophe, je pense que j'ai une question à poser à Marc. Alors, en effet, j'ai compris, enfin, c'est clair pour moi le bilan initial. Et puis, alors, ce qui paraissait clair jusque-là, c'était le suivi. On faisait une charge virale et puis les transaminases tous les 6 mois quand on était à l'équilibre. Et puis là, maintenant, tout explose, il y a l'antigène HBS et puis plein de marqueurs dont j'arrive pas à retenir le nom. Est-ce que tu peux nous recadrer ça? Plus dur déjà. Oui, là. Là encore, les choses restent simples. C'est-à-dire que, en effet, lorsqu'on traite un patient pour l'hépatite B par un analogue, que ce soit le tenofovir ou l'entecavir, il faut mesurer l'ADN du virus B et les transaminases de la latte, qui doivent être contrôlées tous les 3 mois pendant jusqu'à négativation de l'antigène de l'ADN du virus B. Et ensuite, tous les 6 mois, de façon à contrôler que la virosuppression obtenue se maintient dans le temps et que le patient est parfaitement adhérent à sa prise de médicaments. Alors, ensuite, l'objectif à atteindre, évidemment, chez les patients traités pour l'hépatite B, c'est d'obtenir un ADN du virus B qui est parfaitement détectable et qui reste indétectable. Donc ça, c'est assez simple. On surveille les patients tous les 3 mois jusqu'à ce qu'on obtienne la négativation, et ensuite, on peut passer à une surveillance tous les 6 mois, en insistant sur l'intérêt d'étudier l'observance de ces patients. Alors maintenant, quelle est la place de l'antigène HBS? En fait, l'antigène HBS, il peut prédire en fait les patients qui vont négativer leur antigène HBS. Et quand on titre l'antigène HBS avec des méthodes standardisées, il y a 2 méthodes standardisées qui sont disponibles actuellement. Si les patients ont un antigène HBS qui est supérieur à 1000 UI par ml initialement, c'est pas la peine de le refaire tous les ans, ça n'a pas grand intérêt, et en fait, on peut le refaire tous les 3 ans. Par contre, lorsque le patient a un titre d'antigène HBS qui baisse, et notamment lorsqu'il est inférieur à 100 UI par ml, à ce moment-là, on peut répéter la mesure de la charge virale lorsqu'il est inférieur à 1000 tous les ans pour essayer de dépister les patients qui vont avoir une chute de leur antigène HBS et qui vont prédire la possibilité de négativer l'antigène HBS. Donc, le titrage d'antigène HBS, ça nous sert surtout à prédire ceux qui vont en fait négativer l'antigène HBS. Et en cas de perte de l'antigène HBS, il faut rechercher les anticorps anti-HBS, mais vous savez que maintenant, un certain nombre de recommandations suggèrent que lorsque les gens n'ont pas de fibrose avancée au niveau hépatique, il y a des gens qui initialement avaient des lésions de fibrose modérées, F2, F3, ces patients-là, lorsqu'il négative l'antigène HBS et que cette négativation perdure pendant plus d'un an, on peut discuter l'arrêt du traitement par NUC de façon à voir si les patients vont maintenir leur perte d'antigène HBS et éventuellement leur reconversion HBS. Et dans cette situation-là, ce qui est important, c'est de suivre les anticorps anti-HBS, mais il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir l'apparition d'une reconversion pour décider d'un éventuel arrêt de traitement. Là encore, je le répète, chez les patients qui n'avaient pas de lésion de fibrose initiale sévère. Ensuite, quid des méthodes non-invasives de fibrose dans le suivi de ces patients? Eh bien, les recommandations, et vous voyez que là, le niveau de recommandation était relativement faible, c'est plutôt un avis d'expert, il était proposé qu'une surveillance par des méthodes non-invasives de la fibrose hépatique soit réalisée tous les 1 à 3 ans, chez les patients qui initialement avaient des comorbidités hépatiques ou chez les patients qui avaient une fibrose qui était un peu plus sévère au départ, et surtout chez ceux qui ont des comorbidités hépatiques. Et enfin, une surveillance de la mesure de l'acidité hépatique doit être effectuée tous les ans chez les patients qui ont une hépatopathie chronique avancée, essentiellement pour le dépistage de l'hypertension portale, et on revient sur les critères de Baveno, c'est-à-dire que les gens qui ont initialement un fibroscan, supérieur à 13, c'est bien de leur faire un fibroscan pour voir s'ils progressent et s'ils deviennent, par exemple, supérieurs à 20, ce qui va, avec un taux de plaquettes bas, conduire à un dépistage des varices œsophagiennes. Et vous voyez que pour toutes ces recommandations, il y avait un accord fort. J'ai une question, Marc. Est-ce que tu peux nous confirmer maintenant, pour initier un traitement, on n'a pas besoin de biopsie et qu'on peut faire une simple mesure d'élasticité hépatique par fibroscan pour décider de débuter un traitement? Oui, et je répète que dans la plupart des recommandations, y compris dans les recommandations de l'OASL, si tu as des transaminases qui sont à plus de 2 fois la normale et si tu as une charge virale qui est supérieure à 20 000, tu n'as pas besoin de biopsie hépatique et tu peux commencer les traitements.
Et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé par les recommandations américaines et asiatiques. Les recommandations européennes sont plus fines. On descend le niveau d'ADN du virus B à partir duquel on peut débuter un traitement et on rajoute en fait l'évaluation de la fibrose. Et dans ces recommandations qui initialement étaient basées sur la PBH, actuellement, elles sont validées et basées sur des marqueurs non invasifs, notamment le fibroscan. Merci. Alors, tu vas nous donner la suite quand même de ton patient. Est-ce qu'il va bien ? Il va bien, Onyan va bien, la charge virale est indétectable, les transaminases sont normales, l'observance au traitement est bonne. Et la question qu'on peut se poser, c'est faut-il mettre en place un dépistage du carcinome hépatocellulaire ? Je rappelle que ce patient, initialement, avait un fibroscan à 11 kPa. Alors là, tu as l'expert devant toi qui ne va pas hésiter à te poser une question. Mais moi, je pose la question à Nathalie. Non. Qu'est-ce qui permet d'identifier les patients infectés par le virus de l'hépatite B qui nécessiteraient un dépistage du carcinome hépatocellulaire ? Est-ce qu'on peut sélectionner les malades à haut risque, Nathalie ? Alors, ça a été l'objet de discussions nombreuses, longues, et de votes qui ont été réitérés à plusieurs reprises. Et voilà les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Premièrement, il n'y a aucune équivoque chez les patients qui ont une maladie du foie avancée. Bien sûr, il faut dépister le carcinome hépatocellulaire chez tous les patients atteints d'hépatite B avec hépatopathie avancée. Le niveau de preuve est très élevé, c'est une recommandation A1 et l'accord est fort. Élément important, il ne faut surtout pas imaginer que la diminution des valeurs des marqueurs non invasifs sous traitement permet de se dispenser de poursuivre ce dépistage. Donc on prend en compte en fait l'évaluation de la fibrose pré-thérapeutique et on ne tient pas compte de la variation des valeurs des marqueurs non invasifs sous traitement. Ça, c'est un élément vraiment important. Et il faut vraiment mobiliser les gens pour éviter d'interrompre un dépistage de CHC qui aurait été initié à juste titre sur des arguments initiaux préthérapeutiques en faveur d'une fibrose hépatique avancée. Comment fait-on le dépistage une fois qu'on a décidé de le faire ? Eh bien, ce dépistage repose sur un échodoppler abdominal couplé à un dosage sérique d'alpha-fétoprotéines. Dernière question, à quelle périodicité faire ce dépistage ? Eh bien, la périodicité est semestrielle et tous les 6 mois, il faut associer ces 2 méthodes pour dépister une tumeur du foie. L'accord est fort et le niveau de preuve est élevé. Et alors, c'est plus difficile en l'absence d'hépatopathie avancée, puisque là, on était dans le cas le plus facile d'une hépatopathie avancée. La question est plus difficile chez un patient atteint d'hépatite B qui n'a pas d'argument en faveur d'une hépatopathie avancée. Et finalement, quels sont les patients qui doivent être la cible d'un dépistage ? Alors, ce qui est absolument certain, c'est les patients chez lesquels on retrouve un antécédent familial de carcinome hépatocellulaire de premier degré. Et en l'absence d'antécédent familial de carcinome hépatocellulaire, nous recommandons de se fonder sur le score PAGE-B, qui est un score qui prend en compte 3 paramètres, que sont l'âge, les plaquettes et le sexe. Et donc, nous recommandons de dépister le carcinome hépatocellulaire en l'absence de fibrose hépatique avancée et en l'absence d'antécédent familial lorsque ce score est supérieur ou égal à 10, que le patient soit traité ou non traité. Et alors, en pratique, donc, les détails du score sont dans le document qui va être disponible sur le site dans quelques jours. En pratique, ça veut dire quoi avoir un score PAGE-B supérieur à 10 ? Ça veut dire quand on est un homme, avoir plus de 40 ans ou à partir de seuil de 30 ans si on a des plaquettes inférieures à 100 000. Et quand on est une femme, ça veut dire initier le dépistage à partir de l'âge de 70 ans, 10 ans plus tôt lorsqu'on a des plaquettes inférieures à 100 000. Alors, on continue. Donc, merci Nathalie. Onyan. Merci Nathalie. Donc ça, c'est très clair. Donc Onyan a des facteurs de risque et l'échographie abdominale montre une légère dysmorphie hépatique et la rate est à taille supérieure limite de la normale. Existe-t-il une cirrhose ? Question.
Nathalie, comment définir une hépatopathie chronique avancée, cirrhose par des méthodes non invasives? Alors, Christophe, tu vas peut-être répondre parce que tu connais bien ça. Allez, Christophe, vas-y. J'espère avoir beaucoup de questions sur l'hépatopathie chronique aux pensées avancées. ça permettra d'élaborer une pédagogie pour les mois qui viennent. D'abord, ce n'est pas original, ça a été proposé par la dernière conférence de Bavé. Les situations claires sont les suivantes. Si vous avez une hépatopathie chronique, quelle que soit l'origine, et des signes d'hypertension portale, circulation veineuse collatérale par exemple à l'échographie, une thrombopénie, s'il n'y a pas d'autre cause évidente, et sur le plan radiologique, une splénomégalie ou des voies de dérivation, tous ces éléments sont très évocateurs d'une hypertension portale. Et donc, si l'hépatopathie chronique, elle est au stade de cirrhose, elle est au stade de cirrhose compensée, on va pouvoir parler de cirrhose ou d'hépatopathie chronique compensée, avancée. Mais ce qui se passe le plus souvent avec le dépistage grâce aux méthodes non invasives de la fibrose chez tous les patients à risque d'hépatopathie chronique, c'est qu'on n'a pas ces signes. Et c'est de faire la différence entre quelqu'un qui historiquement serait F3, F4, un coup il va être F3, un coup il va être F4, chez monsieur Duchemol il va être F3, chez monsieur Duchemol il va être F4. Ça perd les médecins, ça perd les malades. Et donc, il était très important finalement de prendre en compte que c'est un continuum et que finalement le pronostic de ces malades F3 avancé ou F4 précoce, il est le même. Donc il faut donner un terme à ce groupe de malades. Et on a repris celui de Baveno, celui des pathopathies chroniques compensées. Et sur le plan pratique, comment faire? C'est assez simple, on va dire. Il y a une catégorie de patients qu'on peut très bien classer. C'est tous les malades qui ont l'absence de signes de décompensation et avec une élasticité supérieure à 15 kPa, condition que l'élasticité était faite dans de bonnes conditions. Ben là, c'est très évocateur du diagnostic d'hépatopathie chronique compensée avancée. À l'inverse, si vous avez une élasticité inférieure à 10 kPa ou des valeurs des tests sanguins comme le fibrotest ou le fibromètre, vous les avez ici affichés et vous les aurez dans le document, ça permet d'écarter une hépatopathie chronique compensée avancée. Alors, bien entendu, vous avez toujours une zone grise qui va être entre, cette fois, pour l'élasticité en tout cas, 10 et 15 kPa. Et chez ces malades-là, il faudra aller plus loin dans les examens si on veut avoir l'information est-ce qu'il y a une cirrhose, une hépatopathie chronique compensée avancée, ou surveiller parce que ce n'est pas nécessaire toujours d'avoir la réponse immédiatement. Donc voilà, on a un groupe de malades qui ont soit une hépatopathie chronique compensée avancée ou une cirrhose compensée qui sont définies par principalement l'élasticité hépatique. Alors je voudrais remercier Dominique Tabu qui a coordonné ce chapitre avec beaucoup de nouveautés dans cette nouvelle définition de maladie et beaucoup d'avancées. Et donc, je vous incite à lire attentivement ce très long chapitre. Mais on continue quand même sur le cas clinique. Donc, je crois qu'il faut qu'on s'habitue. Merci, Victor. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue à ce terme d'hépatopathie chronique avancée parce que c'est une nouvelle définition. Et ça, c'est vraiment un point important. Comme on a eu une nouvelle définition d'hépatite B, c'est une nouvelle définition en hépatologie qu'il faut retenir et qui reflète bien le continuum. Donc, la société hépatique de Onian était à 11 avant l'initiation du traitement. Les plaquettes étaient à 130 000, elles sont à 155 000 aujourd'hui. Faut-il prévoir une endoscopie ésogastro-duodénale pour rechercher des varices œsophagiennes? Donc, actuellement, il a une élasticité hépatique à 11 et il a 150 000 plaquettes. Alors, ça, c'est une excellente question. Donc, en pratique, comment sélectionner les patients à qui on va faire une fibroscopie? Et comment éliminer, enfin savoir quels patients ne seront pas la cible d'un dépistage endoscopique, Christophe? Alors si on répond au cas clinique, la réponse est qu'il n'y a pas besoin de faire d'endoscopie. Pourquoi? Alors c'est aussi des recommandations qui ont été reprises de celles de Baveno. En fait, depuis Baveno, les études se sont accumulées pour dire que, en gros, quand on avait moins de 20 kPa, avec une mesure de l'élasticité hépatique, et, c'est important, et plus de 150 000 plaquettes, le risque de passer
à côté de grosses varices œsophagiennes qui mériteraient d'être traitées, allez, c'est sûr moins de 5% et c'est sûrement pas très loin de 0%. Il y a sûrement des discordances pour expliquer les 1 ou 2%, mais ce n'est pas le sujet. Donc, ces critères-là, dits critères de Baveno, sont utilisés déjà largement et sont repris par les experts avec un accord fort, vous voyez. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de littérature aussi qui permettent, qui essayent d'améliorer un petit peu. Le problème de ces critères de Baveno, c'est qu'en gros, on évite 30% d'endoscopie inutile, ce qui est déjà beaucoup, mais on doit pouvoir faire mieux. Mais aujourd'hui, ça demande encore un certain nombre de validations pour les nouveaux scores proposés. Donc, on reste sur les critères de Baveno pour le moment. Élasticité inférieure à 20 kPa, plaquette supérieure à 150 000, pas d'endoscopie pour le dépistage des varices œsophagiennes. Si ces critères ne sont pas respectés, vous avez soit l'élasticité hépatique supérieure à 20 kPa ou une numération plaquettaire qui montre un taux de plaquette inférieur à 150 000, alors vous êtes dans le cadre du dépistage classique par endoscopie, des signes endoscopiques d'hypertension portale. Et il n'a, dans ces cas-là, aucune méthode non-invasive, que ce soit le scanner, la capsule, si on peut les considérer non-invasives, c'est à discuter. C'est l'endoscopie qui reste l'examen de référence pour faire le diagnostic, le dépistage des varices œsophagiennes. Et elle reste nécessaire parce que la valeur prédictive positive n'est pas suffisante pour aujourd'hui traiter les malades par bêta-bloquant sans vérifier qu'ils aient des varices, par exemple, à l'endoscopie. Donc, vous voyez, deux situations simples. Les critères de Baveno sont respectés et je ne fais pas d'endoscopie. S'ils ne sont pas, si l'un ou l'autre n'est pas respecté, il faut faire une endoscopie de dépistage. Merci Christophe. Merci, alors, Marc, merci Christophe, c'est très clair. Et donc là, l'endoscopie n'a pas été effectuée. Mais durant le suivi, l'ADN du virus B donc, continue à être indétectable. Le patient est bien observant au traitement et à l'échographie Doppler qui a été réalisée de façon semestrielle, en 2019, on retrouve un nodule du segment 7 de 2 cm de diamètre. Bon, j'ai bien vu, je n'ai pas réussi à te coincer Marc, alors je vais essayer de coincer Nathalie. Quel algorithme diagnostique recommandé face à un nodule chez un patient avec hépatopathie chronique avancée ou cirrhose? Alors, pour un nodule de plus de 1 cm, il faut compléter le bilan. Alors, compléter le bilan, ça veut dire faire un examen d'imagerie en coupe fine avec une injection de produit de contraste et on pourra faire appel au scanner ou à une IRM multiphasique, soit avec agent de contraste extracellulaire, soit avec des produits hépatospécifiques. Ou encore, on peut faire une échographie de contraste. Alors, ça, c'est tout à fait théorique, mais en pratique, ce qui est recommandé, c'est la réalisation en l'absence de contre-indication en première intention d'une IRM multiphasique avec produit de contraste extracellulaire. Niveau de recommandation élevé, niveau de preuve élevé, A1, et un accord fort. En deuxième intention, il est recommandé de réaliser une IRM multiphasique avec agent de contraste hépatospécifique ou à défaut un scanner hépatique ou encore une échographie de contraste. Donc, pour un nodule, ce qui est important, c'est un, de connaître sa taille. En dessous d'un centimètre, on ne peut rien dire. Au-dessus d'un centimètre, il faut le caractériser. Et la caractérisation passe, si possible, en l'absence de contre-indication et si les délais d'obtention de l'examen sont raisonnables, par une IRM avec produit de contraste extracellulaire. Et si un deuxième examen est nécessaire, eh bien, dans ces cas-là, un scanner ou une IRM avec produit hépatospécifique ou une échographie de contraste. Alors, je voudrais remercier notamment Nathalie et Pierre Naon pour ce chapitre très complet sur le carcinome hépatocellulaire et avec des rédacteurs qui venaient de tous les horizons et donc qui ont permis d'aboutir à des recommandations très consensuelles avec un accord fort pour chaque recommandation. Mais nous n'en avons pas fini avec Onyan, Marc. Raconte-nous la suite. Non. Tout à fait, et merci Nathalie pour cet exposé très clair sur la caractérisation. Et donc l'IRM hépatique avec produit de contraste extracellulaire montre un nodule de 22 mm avec un rehaussement artériel et un lavage sur la face portale. Et donc le diagnostic de CHC est posé. L'alpha-fétoprotéine est normale.
Donc, Christophe. Avant de poser la question à Nathalie, je vais poser une question à Marc. Oui, Christophe. C'est de quelle origine l'oignon? Pardon? C'est de quelle origine oignon? On l'a dit, alors, c'est turc. Tu n'as pas écouté, c'est turc. C'est pour savoir si tu t'en rappelais. Nathalie, en cas de carcinome hépatocellulaire avéré avec les méthodes invasives, quel bilan pré-thérapeutique est recommandé, en particulier staging tumoral? Alors, dans le cas précis de Niane, on va s'affranchir de l'IRM puisqu'elle a été faite pour le diagnostic. Mais imaginons un patient dont le diagnostic aurait été porté par un scanner ou une échographie de contraste. Eh bien, dans ces cas-là, il est recommandé de faire une IRM hépatique, pas tant pour le diagnostic que pour rechercher des petites localisations métastatiques intrahépatiques. Et en plus de cette IRM, on préconiserait un scanner qui porterait non seulement sur l'abdomen, mais également sur le pelvis et surtout sur le thorax. Donc ça, c'est la première recommandation. Il faut faire une IRM pour rechercher des petites métastases intrahépatiques et il faut faire un scanner au minimum thoracique et sinon idéalement thoraco-abdominopelvien. Il n'y a pas d'indication à faire de recherche systématique de métastases cérébrales ou osseuses. En revanche, lorsqu'il existe un point d'appel clinique, il est recommandé de faire une IRM rachidienne ou un PET scan au 18 FDG en cas de douleur osseuse à la recherche de métastases osseuses. Et il est recommandé de faire une imagerie cérébrale en coupe fine à la recherche de métastases cérébrales en cas de manifestation neurologique. Marc, il va s'en sortir, Onian? Oui, le bilan d'extension est négatif. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et en RCP, on a décidé de faire un traitement par radiofréquence. Le geste est sans complication. Vous êtes vraiment incollable. Donc, on va s'intéresser au suivi. Après un traitement radical, curatif, a priori, quel suivi radiologique est recommandé pour évaluer la réponse et puis pour le suivi ensuite, puisque la maladie perdure, Nathalie? Alors, donc, Onian a eu la chance d'avoir un traitement par radiologie interventionnelle, une ablation percutanée. Eh bien, on va le laisser rentrer chez lui pendant quelques semaines, 4 à 6 semaines, et au bout de ce délai, on va lui demander de venir faire une évaluation de l'efficacité de son traitement radiologique, et on va lui demander de faire une imagerie en coupe fine, qui sera soit une IRM avec agent de contraste extracellulaire, soit un scanner, mais en première intention, si possible, en l'absence de contre-indication, plutôt une IRM. On va demander à nos radiologues préférés d'évaluer les caractéristiques morphologiques de la tumeur par les critères M-RESIST. Le délai, on en a déjà parlé, on va lui demander de faire cette évaluation 4 à 6 semaines après la procédure. Et ensuite, si cette première évaluation qui est faite donc 4 à 6 semaines après la procédure initiale est satisfaisante, eh bien on va prévenir au NIAN qu'il y a un risque de récidive et locale et à distance qui justifie d'une surveillance trimestrielle pendant un délai minimum de 2 ans. Est-ce que ça répond à ta question, Christophe? Parfait. Et après 2 ans, Nathalie, on revient à une surveillance semestrielle? Absolument. Alors, après 2 ans minimum, s'il n'y a pas de récidive, on propose dans ces cas-là une surveillance qui va être effectivement semestrielle et qui va être une surveillance non seulement du foie, mais également du thorax. Et quand Merci. Tu dis IRM de préférence, si pour des raisons pratiques d'accessibilité, même si c'est des examens qu'on va faire à plusieurs semaines, ça serait la TDM? Ah oui, bien sûr, oui. S'il y a un problème d'accessibilité, on fait un scanner dans ces cas-là, bien sûr. Et l'autre élément dont on n'a pas complètement parlé non plus, c'est si initialement le taux sérique d'alpha-fétoprotéine était élevé, ce qui n'est pas le cas de notre ami Onian, eh bien, il faut bien sûr vérifier qu'il est diminué d'au moins 50% dans le délai de la première surveillance, 4 à 6 semaines, et surveiller ensuite sa remontée éventuelle. Mais nous sommes hors sujet, puisque Onian avait la chance d'avoir un tout petit CHC sans élévation du taux sérique d'alpha-fétoprotéine. Alors, on en a fini avec l'histoire de Onian, mais j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors, je vais commencer par toi, Christophe, puisque tu as posé beaucoup de questions. Il va falloir que tu répondes à celle-ci. En cas de syndrome de Budd-Chiari, avant de
décider du dépistage du CHC. Ne faut-il pas d'abord évaluer la fibrose? C'est une question intéressante. Il faut savoir déjà que les marqueurs non-invasifs de fibrose ne peuvent pas être utilisés pour l'évaluation de la fibrose au cours du syndrome de Budd qui arrive. Surtout en aigu, où on a parfois une hypertransaminésie, mais surtout une congestion hépatique. Et c'est l'une des situations. On n'a pas parlé des critères de qualité ou d'interprétabilité de l'élasticité hépatique, mais la congestion hépatique va conduire à une surestimation de la fibrose. Donc, si on a besoin de connaître l'état fibreux du foie, pour parler vulgairement, il faudrait faire une biopsie. Mais là, j'allais dire qu'en pratique, la plupart du temps, elle ne s'impose pas. C'est surtout l'histoire clinique, c'est-à-dire que vous avez soit une présentation aiguë sur un foie antérieurement sain et vous n'avez pas de raison de craindre une fibrose, et surtout si le traitement va permettre la reperméabilisation des veines et le traitement du, la décongestion du foie. Il faut se méfier de la présentation aiguë sur Budd Chiari chronique, mais on a souvent des critères radiologiques qui évoquent, en particulier la dysmorphie, la collatéralité hépatico-hépatique, qui va permettre de dire c'est un Budd Chiari chronique, et donc ces malades-là, il faut les surveiller. Et puis la présentation chronique habituelle, on va dire, où là, il n'y a pas de nécessité nécessairement à réaliser une biopsie du foie pour évaluer la fibrose. J'aurais tendance à répondre que si la situation est claire, c'est un Budd Chiari chronique, il faut faire le dépistage. Si la situation est claire, c'est un Budd Chiari aigu, le dépistage va dépendre de l'histoire naturelle chez le malade concerné. Enfin, l'histoire naturelle plus l'histoire naturelle, mais sous traitement et la réponse au traitement. Très bien, et je voudrais en profiter, puisque tu as évoqué la pertinence des méthodes invasives et notamment de la mesure de l'élasticité hépatique en période aiguë, pour remercier en face à face ou presque Jérôme Boursier, qui a coordonné un chapitre dans ses recommandations, où dans ce chapitre il n'y a aucune recommandation, mais où il expose des critères de qualité, de reproductibilité de toutes les méthodes de mesure de l'élasticité hépatique, et je suis sûr que ce chapitre vous sera d'une grande utilité pour votre pratique quotidienne. Merci Jérôme. Maintenant, j'ai une question pour toi Nathalie. Nathalie, est-ce que tu peux me dire, il y a un truc surprenant dans ta recours du dépistage du CHC au cours de l'hépatite B. On ne voit plus apparaître l'origine asiatique ou africaine. Alors, il ne faut plus en tenir compte dans le dépistage du CHC au cours de l'hépatite B? Mais en fait, on s'est affranchi de ce problème-là, puisque si on prend les recommandations page B, on a dit qu'un homme, à partir de 40 ans, lorsqu'il a des plaquettes normales, doit être dépisté. On retombe sur nos pattes. On a dit qu'une femme devait être dépistée si elle avait des plaquettes normales à partir de l'âge de 70 ans. On retombe à peu près sur nos pattes. Et en fait, ces recommandations de dépistage chez les Asiatiques en fonction du sexe et de l'âge sont des recommandations qui viennent de la SLD, qui n'ont pas été reprises ultérieurement, notamment dans la dernière version des recommandations européennes. Et vu les résultats des études et surtout le niveau de preuve obtenu grâce au score PEDGE-B, on a proposé ces seuils et ces ces indicateurs qui nous semblaient plus pratiques à utiliser. C'est là qu'on voit toute la pertinence de ces recommandations à FEF qui apportent des nouveautés qui vont changer notre pratique, et à tel point qu'il y a même quelqu'un qui nous dit « Est-ce qu'en pratique quotidienne, tu appliques vraiment ces critères de Page ?» Ah bah bien sûr, ça y est. Depuis que c'est écrit, je m'y conforme. Alors mais maintenant, sinon, on revient… Je conseille à tout le monde de lire donc les recommandations, puisque tu as tout le détail du score page qui sont très faciles à appliquer. Christophe, je trouve que le grand mérite, c'est d'avoir pu proposer des recommandations qui soient homogènes entre les chapitres pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire, parce que ça, c'était un vrai challenge. Et franchement, ça simplifie tout. Et aujourd'hui, c'est assez clair et limpide, je dois dire.
Bravo les gens du CHC. Christophe, est-ce que on peut appliquer les critères de Baveno à toutes les hépatites virales, B et C, et à la NASH? Est-ce que c'est validé dans ces indications, dans ces causes de maladie du foie? Hépatite B et C, alors c'est l'hépatite C qui a été le plus étudiée, hépatite B un peu moins, mais les grandes cohortes, on va dire multicentriques, en particulier européennes et avec le Canada, des cohortes anticipées, etc., incluaient des B et des C. Il y a une petite nuance ou réserve sur la NASH, puisque il aurait été décrit des hypertensions portales en l'absence de cirrhose. Mais ça ne semble pas vraiment se confirmer. Donc aujourd'hui, on peut appliquer les critères de Baveno pas toutes les hépatopathies chroniques. Il y a une exception qui sont les maladies vasculaires du foie. Quand vous avez une maladie vasculaire du foie, très souvent l'élasticité hépatique est basse. Et c'est même, je vous invite à lire le chapitre, un des critères évocateur du diagnostic, c'est-à-dire que si vous avez une hypertension portale évidente avec une élasticité basse, mais pas seulement 8, hein, ça peut être 10, 12, il faut penser à la maladie vasculaire du foie, c'est pas la règle dans la cirrhose. Une cirrhose, vous devez avoir une élasticité supérieure à 20 kPa. Mais en dehors des maladies vasculaires du foie, je crois qu'aujourd'hui, on peut appliquer les critères de Baveno à toutes les autres hépatopathies chroniques. Marc, tu voulais dire quelque chose? Non, je crois que les critères de Baveno sont très clairs, c'est le dépistage de l'hypertension portale. Ensuite, il faut garder un bon sens clinique, c'est-à-dire que face à un patient, par exemple, alcoolique, qui a une dysphagie, il faut aussi éventuellement faire des endoscopies pour rechercher un cancer de l'œsophage. C'est-à-dire qu'il faut garder, et ça, il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester... Les critères de Baveno ont été faits pour sélectionner les patients à qui il fallait réaliser ou pas une fibroscopie à la recherche d'une hypertension portale. Et ensuite, il faut garder notre bon sens clinique habituel par rapport aux autres symptômes des patients, aux autres manifestations cliniques des patients pour le reste. Merci Marc. Alors on va terminer, il faut bien s'arrêter, il y a beaucoup de questions, mais nous allons poser la dernière à Nathalie en tant que secrétaire générale de la FEF, elle est pour toi. C'est un cas un peu particulier, c'est Nathanaël qui nous pose cette question. Dans le cas d'une suivi d'une cirrhose, tu fais des échographies tous les 6 mois qui sont normales et tu vois une alpha-fétoprotéine élevée et tu fais une imagerie de coupe, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut répéter, reprendre des échographies, rester sur des imageries de coupe, surveiller l'alpha-phéto. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas un peu rare? Alors là, on est un peu en dehors des recommandations qui ont été faites, mais néanmoins, je vais vous donner l'expérience de mon centre. Je ne sais pas si vous faites la même chose, mais c'est intéressant d'en discuter. Chez un patient qui a une fibrose hépatique avancée, en l'occurrence une cirrhose, avec des échographies qui sont normales et une alpha-fétoprotéine qui monte, si de plus le seuil est significatif, alors on peut discuter de significatif, ou s'il est croissant, parce qu'il y a aussi un aspect cinétique, moi je demande un PET scan au 18 FDG pour rechercher une tumeur qui n'aurait pas de traduction sur les examens en coupe fine. Alors bien sûr, l'étape préliminaire, c'est si j'ai fait une IRM et qu'il n'y a rien à l'IRM, je fais une deuxième modalité avant d'aller au PET scan. Donc la réponse est IRM en première intention à l'absence de contre-indication, scanner si l'IRM ne permet pas de conclure, et si l'alpha-fétoprotéine est confirmée élevée et si a fortiori elle monte, un PET scan. Et je vous retourne la question. Et vous, que faites-vous? Moi, je suis d'accord. On t'appelle pour avoir un avis. Marc est d'accord. Alors, je voudrais maintenant remercier à nouveau l'ensemble des rédacteurs qui ont participé à ces recommandations. Je pense qu'il y a une diapositive voilà, qui va apparaître. Ils étaient très nombreux. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont répondu à tous mes mails et mes coups de téléphone qui étaient à la limite du harcèlement pour obtenir leurs recommandations. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas et je veux les remercier. Je veux aussi remercier Christophe Bureau, qui a été le premier à avoir cette idée des marqueurs de recommandations sur les marqueurs non-invasifs et qui m'a confié cette difficile charge. Et je voulais le remercier aussi en tant que président de ces recommandations. Il a eu des questions, comme toujours, et très, très pertinentes. Et Marc Bourlière, l'autre, président
qui a su, avec son sens clinique affûté, permettre que ces recommandations soient vraiment très précises. Et puis, bien évidemment, Nathalie, que je remercie infiniment, et je suis très heureux qu'elle soit la secrétaire générale de la FEF, qu'elle conduit avec beaucoup de brio. Je vous remercie tous. Et il y avait une question pour toi, Nathalie, justement, qui vient d'être posée, de William. Ces recommandations seront disponibles quand ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je vais répondre dans un instant. Je vais continuer sur la recommandation avant de répondre à William. Donc, les remerciements, moi, je voudrais remercier très chaleureusement Victor, qui a eu une qualité de vie un petit peu altérée ces derniers jours du fait de la nécessité de mettre en page toutes ces recommandations qui, effectivement, vont être en ligne sur le site d'ici quelques jours. Alors, on a l'habitude de dire un matin prochain. Ça sera un matin prochain avant la fin du mois de juin. Donc, disons, avant le milieu de semaine prochaine, vous aurez des recommandations qui seront en ligne, en français, sur le site, en accès libre. Et il est prévu qu'elles soient également publiées à court terme dans une revue anglaise. Je voudrais remercier, en dehors de Victor, nos deux présidents, Christophe et Marc, qui ont été donc les présidents de ces recommandations. Je voudrais aussi remercier tous nos partenaires industriels qui ont permis de mettre en forme ces recommandations et de vous les présenter ce soir. Donc, pour répondre à William, oui, d'ici une semaine, moins d'une semaine, il aura la possibilité de télécharger tous les chapitres et bientôt de les lire en anglais dès que nous aurons été jusqu'à la publication. Merci à tous. Encore une fois, n'oubliez pas qu'en dehors de ces recommandations, nous avons été confrontés à un problème majeur récemment qui était la pandémie du Covid et que notre rôle à la FEV va être de vous restituer et de restituer à la communauté l'impact de cette maladie chez nos patients atteints de maladie du foie. Et encore une fois, je vous invite à aller sur le site de la FEV, à demander vos codes pour pouvoir rentrer vos patients, qu'on puisse être en mesure d'évaluer les répercussions de cette pandémie. Merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.